Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Need for Speed pour aujourd'hui. Que nous allons faire, ce que nous allons faire, ou c'est pas trop français ce que j'ai dit. C'est parti, on va se faire un Need for Speed Pro Street. C'est un jeu qui est pas très récent hein, puisqu'il est sur PS3 donc nous attendez pas à des super graphismes. Il est de 2007 je crois, donc oui c'est marqué. Par contre, c'est Electronic Arts qui font ça et c'est quand même en général assez bonne qualité. Donc voilà. Alors, va se faire quelques courses de la soirée. Me suis dit, pourquoi pas faire un petit Need for Speed? Il y a tellement de bons jeux. Alors on fait quoi? Jour de course. On a carrière. Jour de... Alors je rappelle que les multijoueurs ne marchent pas. J'ai pas de possibilité. Je sais pas pourquoi. Commencer. Carrière. Non, on va pas faire ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est freestyle. Trois tours. Ah oui. On pourrait faire celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah allez. On fait celle-là. Alors qu'est-ce qu'on choisit comme voiture? Celle-là elle est pas mal, hein. C'est une puissance. Hein. Alors attendez, je cherche la voiture qui pourrait correspondre. Ah ben oui, ça. On cherche la Chevelle 55. Elle a l'air puissante. Allez, on va prendre celle-là. Non, j'ai dit. J'ai dit l'autre, pourquoi il veut ça? Ah, mais ouais, il y a deux voitures. Ah, ok. Oui, peut-être si tu te. Ah non, ça c'est pas génial. Ouais, elle est celle-là. Chargement. Non, attends. Il y a longtemps que j'ai pas joué à Need for Speed, hein, je vous le dis. Allez, celle-là. Ah ben, on va pas toutes les prendre. On essayera celle-là aussi. Allez, c'est parti. Alors, bon, ben. Comme d'habitude, il va y avoir de la casse. Ça, vous pouvez vous y attendre. Parce que vous avez vu le pilote que je suis. Vous avez vu ça dans The Crew, si vous avez regardé la vidéo l'autre fois. Alors bon. Par contre, je suis désolé pour le son. Mon casque était assez débranché, j'avais pas vu du tout. Et ça, c'est le problème, c'est que Chevelle SS. Donc je n'avais pas vu du tout et je suis vraiment désolé. Même moi je parlais et puis je pensais que vous entendiez et puis personne n'a rien entendu. Ce qui est terrible. Alors, franchement. Oh, elle est un peu lourde la voiture. Elle est un petit peu lourde. Ah oui, ouais, déjà, gros dégâts. Déjà, ça commence bien. On a du mal à tourner. Oh là là.
Il est pas que c'est pas dans ce sens. Elle est un peu. Ouais, c'est un gros moteur qu'il y a dedans. Et je pense que c'est pour ça que je n'arrive pas trop bien à la conduire. C'est juste une histoire d'habitude. Peut-être on va reprendre bien. On déborde un petit peu. On dirait que j'ai bu, gros. Bon, ça va pas plus mal. On a plus de capot. Oh là là. Ah mais c'est ce genre de voiture de malade. On est content. Je vous avertis, je dois pas être les premiers. Ça a fait mal. Ça a fait très mal même. Oh là là. Ouais, c'est pas mal. Je suis concentré, je me concentre. On a fait quand même pas mal de casse, mais bon. La chevelle, elle est assez costaud. Ah oui, quand même. C'est pas sur la route, mais bon, c'est pas grave. On laboure un peu le champ. Ah, c'est chaque fois que je me le ramasse celui-là. Il est très dur. Il est très dur celui-là en fait. Ah ouais, c'est chaud. Donc ouais, la dernière fois, si ceux qui sont venus, je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu à vos bonjours. Le micro n'était pas bien branché. Mais de très peu, hein, d'un fil, hein, il était débranché. Dire c'est un casque micro et bon ben voilà quoi, le son du casque marchait mais le son du micro ne marchait pas. Ah ouais, quatrième place, c'est vrai. J'ai oublié d'envoyer le message. Je sais pas ce que je fais. J'ai
fais beaucoup de bêtises. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on continue, oui. On continue. Ouais, la voiture est un peu abîmée, hein. Épreuve, course, segment, course. On va prendre le chargeur RT, voir ce qu'elle vaut. De toute manière, on n'a pas 36 voitures. La Chevelle, on l'a un peu bousillée, donc on va prendre le chargeur. Chargeur 155 chevaux. Est-ce qu'elle est bien? Ou est-ce qu'elle sera trop lourde? Je sais pas. Oh putain. Ah, ça commence bien. Je suis parti un peu trop tard. Oh là là, d'accord. Ça commence déjà le capot. Je tiens à vous dire, c'était pas le top là. Oh go. C'est déjà pas mal. Oh, je... oh là là. Oh là là. Oh là là. Ok. Quatre tours, je crois. Ou trois, je sais plus. Je sais plus combien il y en a. Et allez, j'y ai droit chaque fois. Alors. Autant que j'y rentre dedans, ça ira plus vite. Hein. Voiture trop lourde. Comme elles sont trop lourdes, elles tombent pas bien. Voilà ça. Puissante mais trop lourde. Il faut aller sur la route. Je perds comme temps. Allez, on va se reprendre le truc. Non. Nous allons reprendre. Voilà.
Aïe! Ah, je l'ai massacré la voiture. Je vais même m'éloigner de la route au moins. T'es chaud. Merde, il faut tourner là. J'avais oublié qu'il fallait tourner. Ah bah ouais, je suis éliminé quoi. Zéro point quoi. Bonsoir à ceux qui arrivent sur le live quoi, merci. C'est parce que vous allez peut-être apprécier ce jeu de course. Un peu vieux quoi. Voilà, on a un petit peu le problème de. Un petit problème de voiture maintenant. Je sais pas s'il va pas falloir la mettre au garage. On va voir si on peut pas faire une course avec une autre type de voiture. Voir voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a comme voiture? Corvette. On va essayer. La Corvette. Hein. Bon, on prend la Corvette, attends, tu. Épreuve. Grip, course. Ah ouais, mais c'est toujours les mêmes voitures. Ah ouais, bon, putain. On va garder nos vieilles voitures, quoi. Ça, c'est pour ça qu'on n'a pas choisi les bonnes au début. Ah ouais, non, mais là, il faut la réparer, quoi. Réparation. Oh putain, réparer. On va réparer un petit peu la voiture. Ouais. Ah ben ça va mieux. Mais elles sont trop lourdes ces voitures. En plus les virages sont trop serrés pour des voitures lourdes. Bon, je pense que aussi le pilote n'est pas bon. Hein. Je suis un très mauvais pilote, quoi. Ça y fait aussi. Hein. Ryan Cooper. 450 chevaux, quand même. C'est une voiture qui devrait envoyer, quoi. Évitons de partir dernier. On peut éviter, ça serait bien, mais bon. Et ouais, mais là, il y a un virage direct, quoi. Voilà, chaque fois, j'y ai droit, ce virage. Bon, apparemment, je suis pas le seul.
Ouais. Ah putain, quel dommage. Ah, c'est bon, je vais peut-être le récupérer une place. Ils m'ont tous passé devant, ouais. Ils vont tous me passer devant. Le capot, il va partir en l'air bientôt. Oh putain, pourquoi je vais là moi? Bonne question. Ah, c'est chier, autant que je fonce dedans, hein. Chaque fois. J'arrive pas à le suivre ce plan. Ah, j'avais bien commencé la course, mais bon. Comme je dis, la voiture est tellement lourde que pour les virages, elle n'y arrive pas. C'est moi qui me suis trompé de voiture. Puissante, mais j'ai pas pris le. En fonction des circuits. Juste. Presque n'y arrive, mais. Presque. Bon, on a un peu cabossé la voiture. Eh ben. On roule un peu sur l'herbe. Elle est puissante, elle a 450 chevaux, elle dit. C'est pas mal quoi pour une voiture. Elle est lourde. Ouais. Oh putain, oh putain. Un truc de fou. Huitième place, oh là là. Ah, c'est pas bon du tout. C'était pas bon du tout.
Bon, ben on va continuer, mais statistique, ouais, c'est pas bon. Vitesse 109 km/h, vitesse maxi 195. Ouais, mais beaucoup de destruction, quoi. Course à Save Phantom. C'est quoi Save Phantom? Ah, ok. Continuer. Nous allons voir. Nous allons voir la suite. Ah oui, elle est un peu bousillée la voiture. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types d'épreuves? T'as mis à cause ce circuit? Ouais, tant pis. Mais je comprends pas qu'on puisse pas changer les circuits. Ah, mais c'est parce que j'ai fait un choix. Faut que j'aille au début alors. Au début, à un autre endroit. Bon, elle est un peu endommagée, mais bon. Capot il partira tout seul. Ah ben, il n'aura pas besoin d'aide. Voilà. C'est ce qui s'appelle essayer de passer la première. Oh quoi! Oh là 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 là, cette course de malade! Ah ouais, excellent! Ah, lui aussi il a le même type de voiture que moi! L'autre, voilà, est plus rapide. Oh putain, go. Aïe 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 aïe, ça c'est pas bon. Alors, ça c'est. Est-ce que je vais les rattraper? Sans la question, ils sont pas trop loin. Oh putain! Oh putain. Oh ouais, c'est bon. Ouais, franchement. Il en voit toujours autant du Force Speed hein, quand même. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu.
Ah non, c'est pas pour me planter là. Vont tous passer devant ou pas? Oh là là. Course serrée quand même. Y arriver. Ah, je crois que je pense qu'on va être le dernier encore. Décidément, on n'a pas de chance. Huitième place, hein, et ouais, comme d'habitude, on n'a pas réussi. Bon, ben, nous allons faire un truc avec la nitro, on va faire un autre type de course. Alors, attendez, que je me rappelle. Ouais, on va pas faire ce genre de course, on va faire celle-là. On va faire autre part. Je sais qu'il y a des courses sublimes. Alors, comment on fait pour aller au menu? Putain, je sais plus du tout. Épreuve, option. Quitter celle-là peut-être le menu. Voilà. On va aller sur un truc un peu plus. Voilà. Là, on était là. Autoroute du Nevada. Autoroute de Nevada, qu'est-ce que vous en pensez? Jouable. Quant à là où il faut des voitures puissantes. Voilà, bien sûr, je suis tout seul donc je vais pas sur dire un écran partage. Bienvenue à vous, à tous qui viennent. Je vais prendre une puissante. Camaro, ça c'est le Camaro. Et après la Camaro, ils disent la Silvia. Ouais, la Silvia. Allez, c'est parti. J'ai choisi entre deux voitures, Camaro et Silvia. Donc là, ça va être dans les montagnes, ça va changer. Et je crois qu'on a un endroit où. On a droit au, comment on appelle ça, la nitro. Donc ça va cartonner un petit peu plus. Donc Sylvie. Non, j'aime pas trop ça. Non. Course Camaro. Autoroute, on a des filles, c'est pas ça. Reine vitesse. Ah peut-être, c'est ça. Course ça va. Voilà, il y a la nitro, vous voyez? C'est marqué dessus. Comme vous pouvez remarquer, ça va faire mal. C'est parti. Sur l'autoroute. Ça rappelle un certain film que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez.
Oh bah l'idée. Je crois que je me suis planté, hein. Je suis plus sur la route. Bah c'est bon, ça y est, j'ai repris la route. C'est hardcore. Dégâts légers, super. Oh là là. Là, je contrôle plus la voiture. Ah, c'est fini. C'est fini. C'était le carton complet. C'était le carton complet, là. C'est à refaire. Ok. Ah ouais, parce que là, franchement, c'est à refaire. Là, c'était trop mort. C'est parti. C'est très difficile celle-là. Oh putain. Ah, il m'a lâché le sable lui. Oh merde! Oh putain! Allez, je coupe les arbres, je coupe tout. Ouais. Là, on est vraiment dans le. On peut la reprendre? Oh, avec démolie. Ah ouais. Ah putain. Ok. Bon, il change de voiture. Hein. Ne pas réparer. Ah ouais, t'es obligé de recommencer. Putain. Cette course a été courte. C'est le cas de le dire. Difficile à tenir. Peut-être je change de voiture. Bah, la Camaro elle est lourde. Hein. Après ouais, c'est pas de virage. Trop serré. J'attends, on va nous mettre la nitro. Parce que là, si je mets la nitro, c'est même pas la peine. Je m'envole avec la voiture. Déjà que je m'envole sans la nitro. Je crois que c'est mort pour la nitro. Oh putain, voiture de merde. On va changer de voiture. Je pense que c'est le mieux. Ne pas réparer la voiture, changer de voiture. On va changer, on prend la Camaro. Allez, on va continuer. On va recommencer.
Ok. Annuler. Oh, moi qui me la fasse heureux. Et on va commencer, oui. Change de voiture. Mais non, voilà. On va refaire la course d'une autre manière. Qui est le meilleur pilote? Alors. Avait passé un certain film, comme je disais tout à l'heure. Course, on va prendre la Silvia S15 qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'elle vaut. Et pour les fans de ce film, ben, vous allez vous régaler. On va voir celle-là ce qu'elle vaut. Ah oui, déjà plus facile à manier. Oh, je sais pas. Hein. Ah, plus facile à diriger. Même si je vais dans les décors un petit peu. Elle est pas mal. Faut entendre la finir autre... déjà. Bon, ok. On n'a pas fini la course, justement, se poser la question. Bon, une minute, je reviens. Me voici. Ouais, comme je disais, va falloir réparer celle-là aussi. Il faudra bien arriver à finir cette course. Ah, on va réparer. Elle est déjà mieux celle-là, je trouve. Je trouve, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est un petit peu mieux. D'accord, ils sont sur la route, ça va. Pardon. Finir 8ème sans démolir la voiture, c'est déjà mieux que... que démolir la voiture. Excusez-moi. Déjà? Mais c'est quoi qui me la démolit chaque fois?
Je sais pas qu'est-ce que c'est qui me l'a démoli. Que j'y rentre dedans, que j'évite d'y rentrer dedans à chaque fois. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue? Excusez-moi. Incessante. Qui me casse la tête à moi comme à vous. Recommencer. Bah écoutez, ouais, on va recommencer, hein. Et on va repasser impact de destruction, de construction, pardon. Pff, on est obligé de prendre un pass. Et je comprends pas que chaque fois je me fais avoir à un endroit. Oh, toutes les musiques dans ce truc. Les sept tous insensés qui saoulent. Allez, c'est parti. Les gars, on essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais je vous l'avais dit qu'il y aurait de la casse. Je savais qu'il y aurait de la casse. Oh non, 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 oh. Oh, il faut aller dans l'autre sens. Oh, c'est mieux que de casser la voiture. Oh, si, je sais pas si vous aimez ce jeu. Mais bon, ça fait quelques années qu'il est sorti, puisqu'il est sorti en 2007. Et je reconnais que. Et je reconnais qu'il est excellent. Alors, on est loin des graphismes de maintenant, hein. Mais bon, je trouve que pour l'époque, c'était encore assez lourd. Et je vous mettrai aussi des jeux de PS2. J'ai acheté un jeu PS2 il n'y a pas longtemps. Un bon vieux jeu de d'époque. Donc ben, je vous en mettrai quelques-uns. Il y en a un qui a perdu du matériel. Je suis pas le seul. Lui, je crois qu'il est en panne. Alors que je ne perde pas la course. Et je peux au moins venir 7ème. Là aussi. La question c'est est-ce qu'ils se sont perdus ou... Non, 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 non.
Ouais, continue. Allez, c'est bien de finir la course pour le bonheur. Non, pas là, pas là, pitié. Oh putain, on n'a pas fini la course. Quel malheur. Quel malheur. C'est vraiment dommage. Hein. On avait bien commencé. Hein. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'il reste à faire. Hein. Réparer la voiture, hein, parce que on n'a pas le choix. On est obligé. Tant qu'on ne gagne pas cette course. Hein. Le doubler celui-là, ce serait bien. Putain, il a mis du nitro, lui. Elle est plus légère que l'autre, que la Camaro. La Camaro est lourde. Mais bon, elle reste puissante. 450 chevaux ou 300, je sais plus. Oh putain. Cette toux qui me gratte la gorge. Chaque fois, je suis obligé de tousser un peu. Ce qui n'est pas agréable dans le. Alors, on va essayer de faire autre chose. Allez. On va essayer. On va essayer. Maxi défi. Ouais, c'est trop long celui-là. On essaie celui-là. Ou. Non, celui-là, c'est tombé. Elle est démolie. Et bien, on va la réparer. Elles sont toutes démolies, alors bon. Ouais, ben, répare-la. Bon, on va essayer. Hein. Ouais, on fait comment? Changer de voiture. Allez, c'est parti. Rechanger de voiture. Rechercher une voiture. Je continue, mais on change de voiture. C'est là que ça va passer. Mettez-moi si vous pensez, avez une voiture. Si vous pensez qu'il y a une voiture qui est meilleure que l'autre. Celle-là, elle a l'air pas mal. Hein. Et après ça je pense pas que c'est assez puissant. On a pris la Camaro. Non, ça c'est trop.
On essaie ça là après. Voilà. On va essayer. Vous me direz. On verra bien ce que ça donne. Ah. On fait quoi? On garde celle-là? On se prend quoi comme circuit? On se prend quoi comme circuit? Afficher les menus, ouais, c'est ça que je cherchais. Allez, on prend quoi? Celui-là? Non, celui-là vraiment il est trop dur. Celui-là, on va prendre celui-là. On a dit que c'est la GT ou la Mazda. On va prendre la GT. On va prendre la GT et on va aller voir ce que ça donne. Ouais. Ryan Cooper, il est prêt. Elle est où ma voiture? Ah ouais, elle a un drôle de bruit. Oh putain, il décolle. Oh là là! Pourquoi elle s'est emballée comme ça? Oh putain, le bas, le truc qu'elle s'est fait, quoi. Ah, j'y crois pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé là parce qu'elle roulait bien. Hein. Ah, mais le mec il fait n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Allez, c'est parti, on recommence ça. Se laisser aller pour une voiture. On la finira bien ses courses. Ah oui, oui, non, mais là, ça fait. C'est pas. Ouais, je sais que c'est interdit, mais faut que j'arrive à sortir de ce merdier. La route. Voilà. On essaye d'éviter les virages trop rapides. L'idée d'être démoli encore une fois.
plus où c'est calé la rue. Non, je croyais que c'était là, un virage. Encore les démolis. Non, elle est pas démolie. Mais pourquoi il dit ça? Ah ouais, mais ça c'est chaud là. C'est de virage. Oh, ça c'est pas grave. Oh, par contre ça c'est plus grave. Si je me le prends. Ah, c'est pas l'arrivée. C'est peut-être mieux si on se prend en main. J'évite d'accélérer trop dans les virages pour ne pas déraper et partir en vrille. Comme tout à l'heure. Ben, j'essaye. C'est pas que je vais arriver jusqu'au bout. Hein. On essaye. Ah ben, on est arrivé. À la sixième place, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Franchement, ouais. Sixième place. Bon, bah, il y a deux voitures de démoli, ouais. Il n'y a pas comment qui. Comme on voit tout le monde, il n'y a pas comment qui est démoli. Ce qui fait plaisir. Pas pour ceux qui sont démolis, hein, mais voilà. Donc ça va, je suis à la sixième place. Allez, on en fait une autre de course. D'ailleurs, je sais pas. Ouais, si on a le temps. Ah, peut-être les musiques, j'aurais dû les couper. Libérer les voitures. C'est la GD. Ah, peut-être couper les musiques. Ah ouais, mais musique. Enfin, je pense parce que petit problème. J'ai pas envie qu'on ait des problèmes de droit d'auteur. Ah putain. On connaît pas les musiques, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, option. Ah. Réparer, c'est fait. Épreuve. Alors, on a quoi comme course? On a fait celle-là, oui. Oh, mais si on fait celle-là, on est mort, ouais. Ouais, mais il faudra bien la faire. Allez, c'est parti. Si on est mort, on est mort, hein.
On verra bien. C'est parti. On passe devant, c'est le mieux. Mais bon. Il faut oublier qu'on a la nitro. Hein. Mais bon, voilà, si on met la nitro dans ce virage, c'est même pas la peine. Je pense qu'on a oublié qu'il fallait tourner. Et freiner. Allez, celui-là, on va aller avoir du mal. On va avoir du mal celui-là. Sympa. Je le sens pas trop celui-là. Le circuit. Sérieux, mais je ne le sens pas le top. Ouais, oh, ça, c'est pas le top. Putain, on s'est fait ramasser le poteau. Ah, y a plus de capot. On a perdu quelque chose sur la route. On a bien qui a perdu sa voiture. Ça me laisse une chance. Il y a un autre qui a perdu sa une autre voiture. Ça me laisse ma chance. Tant que j'ai pas perdu la mienne. Ah oh, putain. Ah non, je l'ai pas. Ah si, fini. Finitch, j'ai perdu ma voiture aussi. Oh putain de merde. Dégoûté. Allez, je vais le refaire parce que celui-là, il faut que je le fasse. Obligé de le refaire. Ah, c'est obligé que je gagne, quoi. Enfin, que je gagne. Que j'ai une place. Arrête marre de me planter. Mais bon, ce circuit est très difficile, hein. Je vous le dis. Il est difficile, hein. La voiture marche bien quand elle est pas trop lourde. L'idéal c'est de ralentir, mais bon. Quand elle est lancée. Ah oui, le compteur il est à 300. J'avais même pas vu le compteur. Là. Ça va vite, hein, quand même. Oh, lui, il n'y a plus de voiture, lui.
Oh là, il y a deux voitures et ils sont mortes. Gagner la course, c'est difficile. Mais au moins finir la course. Ah putain de sable de merde. Il me fait déraper chaque fois. Ah putain. Quarante secondes, il est le plus nécessaire. Ah ouais, c'est la 66. Mais je sais pas si c'est la 66. Je m'en rappelle plus ce qu'il y avait marqué comme route. Ouais, 1 minute quoi. Putain. Bah, même temps, bon. On est arrivé 3e ou 4e et peut-être démoli. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Ouais, c'est pas arrivé. Il y a des virages de partout. Je peux faire un ralentir. J'ai pensé que c'était un. Comme un circuit, mais je me rappelais plus que c'était comme ça. Je savais qu'il est dur celui-là. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un virage. Il est long celui-là. Est-ce que je le finirai? J'ai l'impression que je sais pas si je vais gagner. Putain, c'est toujours pas la fin. Putain, chaque fois je crois que c'est la fin et c'est jamais la fin. Il est long, hein. Oh, c'est sûr que je suis pas premier, ça. Je m'en doute, je suis même dernier, je pense. Mais ça dépend. Mais au moins que je démolisse pas la voiture. Ah, je ralentis beaucoup dans les virages. Pour éviter de me prendre un mur ou un caillou.
Ah ben voilà, ah ben quatrième place. Bon, c'est toujours ça, hein, comme on dit. Hein. C'est pas le top, mais c'est mieux que zéro. Ah ouais, il y a eu trois voitures. Il y a eu quatre voitures démolies. Pour dire que voilà, je finis dernier des premiers. Dernier, mais ma voiture est en bon état. Bon, nous allons faire autre chose comme course. Continuer, donc oui, on va continuer. On va refaire une petite course. Alors, on va faire autre chose, parce qu'on a fait des courses comme ça. Alors, on quitte ce... Voilà, et on va changer. On va voir ce qu'on peut faire. On était ici. Après, on a le Nevada. On a un top. Attendez. Je regarde. Ça, c'était Portland. Ah, ok. Le Nevada, c'est quoi? 3 tours, 18 km. C'est des grippes. 3 tours, 10 km. De jeu jouable. Tour, tour, sprint. Je regarde, joue nom de course. Qu'est-ce que vous pensez du Nevada? Ça, c'était pour l'année qu'on avait. Donc, je me trompe pas. Je sais plus du tout lequel c'est. C'est celui-là qu'on avait, non? Autopolis, Nevada. Allez, autoroute de Nevada. Allez, c'est parti pour l'autoroute du Nevada. Alors, pas de celle-là. Et après. On va la Civic. Il y en a une entre Panda et la Supra. Et la Mazda. Après, c'est tout, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi ils me mettent autant de voitures. Puisque j'en ai droit à deux. Je sais pas pourquoi j'en ai. Je me fais charger tant de voitures. En fait, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, alors épreuve, c'est grip, contre la montre, drift, maxi défi, ah bonne grip, course, on a la S3, c'est quoi la S3? Et la Corvette, allez on va essayer la Corvette. On n'a jamais essayé la Corvette, je crois. Je pense que ça va être notre dernière course du soir. On va voir, mais bon. Va voir parce que. Ah bon, c'est par là qu'il faut passer. Oh putain, c'est quoi cet endroit? Oh là là. Voilà, d'accord. La Corvette, je la connais pas bien. Bon, allez, c'est bon, je peux la réparer.
Mort. C'est parti, on recommence parce que j'aimerais bien courir quand même. J'aimerais bien courir. Ah, c'est mieux. Ouais, le tour du Nevada, ça va pas être facile. Je le sens pas. Oh, y a... Ça va être chaud, ça. Ah, elle a bien freiné, je trouve. Si on contrôle bien la voiture, c'est bon. Un petit peu choc. Et viens, si tu, c'est plutôt nom de merde là. Au milieu. Oh, yeah. Oh merde. Ah, là j'ai fait le con. Ah là j'ai fait le con. Qu'est-ce que j'ai fait tout droit, j'ai voulu. Là j'ai fait le con. Oh putain. Allez, c'est reparti. J'ai fait le con. Ouais, j'ai pas tourné. Bien. Ah, ça va, elle marche bien quand même, quoi. Ouais, c'est pas grave. J'évite de le faire comme tout à l'heure. Ça serait bête, ça serait plus bête.
Ah. Oh putain, j'ai failli faire pareil. Au moins que je finisse la course. Finir la course, c'est surtout le but, et gagner si possible, mais bon, ah, ça va pas être facile. Là, y en a un qui a perdu ses pièces. Ah, les tonneaux, je les ai pas touchés. Et voilà. Alors là, il faut que je pense qu'il faut tourner ici. Parce que chaque fois, où c'est chaud. On va être à la morflée. Hein. Ça a failli. Ça a failli, ça a failli. Un chemin, j'ai eu peur. J'ai failli me mettre sur le toit. Ça, c'est... oh putain, où je vais là? Le plus droit. Elle roule plus bien ma voiture, je pense qu'elle a, mais j'arrive plus à la contrôler. Bien, c'est bien. Ah ben j'ai pas touché pour une fois. Bon, je termine la place, 8e place. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Hein. Je peux vous dire merci de m'avoir suivi sur ce live. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est dimanche. Je pense que ça vous a plu. Je sais pas quoi dire de plus. À part dire merci beaucoup à tous et à toutes. Et à la prochaine pour un nouveau live. Merci. Allez, bonne soirée à tous.